Bonjour, mon nom est Guylaine Saint-Pierre, je suis la présidente du club de photos L'Iris de Chambly. Et puis, cette année, le comité de l'Expo y est allé d'un concept fort intéressant, soit le parcours des couleurs, puis c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. On a de tout, on a des gens qui sont retraités, on a des un peu plus jeunes. On a des passionnés, on a des amateurs, débutants. On n'a pas besoin d'être bon dans un club, en fait. Il faut juste vouloir, puis aimer, puis être passionné par la photographie. Le défi, c'était d'y aller avec la thématique de la couleur. Donc, pour chaque lieu, on avait une couleur prédominante, soit le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Et puis, c'est ce qui va faire un effet spectaculaire pour chacun des lieux dans les parcs de la ville. Pour la façon dont ça s'est monté, je pense que c'est chacun fouille dans ses photos. Il y en a qui ont fait des journées spéciales pour faire le montage de leurs photos. Donc, la sélection se fait préalablement par les membres et ensuite le comité de l'Expo, lui, s'occupe de la sélection finale. Qu'on soit amateur ou qu'on soit plutôt professionnel, c'est toujours agréable de voir nos photos et ça porte à continuer de le faire parce qu'on est fiers de voir nos photos dans le parc, dans les allées, dans la ville, c'est sûr, c'est certain que c'est agréable. L'exposition du club de photos s'installe dans 4 sites différents jusqu'au 23 septembre. Vous pourrez les retrouver au parc des ateliers, au parc de Fréhel, où je me trouve présentement le long de la promenade riveraine, au parc des Patriotes, tout près de l'école Madeleine-Brousseau, ainsi qu'auprès du sentier polyvalent qui se situe entre le boulevard Franquet et le boulevard Fréchette. Donc, bonne découverte!